Si j'ai l'habitude d'aller dans Ah, on est cette bien mosquée, d'accord. si j'ai l'habitude d'aller dans cette mosquée, même Arnold Schwarzenegger ou George Bush, il vient iftar dans cette mosquée, est-ce que ça va me gêner? Moi, j'y vais, je fais ma Non, salade. bah ça ne va pas te gêner. Mais à la fin de la journée, il y aura des belles images de Gérald Darmanin Mais je entouré m'en de branle musulmans, des images de etc. Elles seront Darmanin! aussi sur Je suis venu pour TF1. Gérald Bah, ou ça je va suis aller dans venu quel pour sens? Allah? Qu'est-ce qui va se Je passer? suis venu pour Gérald ou pour Allah? Tu Bah, tu n'es viens pour pas, Allah. frérot, toi, t'es Tu pas le viens pour petit Allah, la frère. mosquée. Toi, t'es Mais pas le petit frère moi je dis que je de viens la pas pour sœur, là. Gérald, je dis pas que je viens pour lui, je Ah, dis je mais viens t'es pas s'il est là. le petit frère de la sœur, là. Tu sais, qui était en train de dire à Macron, je dors plus la nuit. Ah, d'accord. Non, ok. Bon, bah écoute. Moi, frérot, Non, non, je j'ai. suis pas son petit frère. J'ai pas l'âge d'être son petit frère, Bassem, t'inquiète, Non, j'ai pas son l'âge petit d'être son frère petit à frère. elle, Mais on je peut crois. basculer là-dessus, je veux bien qu'on parle de ça si ça te dérange pas, Bassem, parce que la daronne à la télé, bon vas-y, c'est une daronne, c'est un peu gênant, etc. Elle pleure devant tout le monde, on peut. Mais ça semblait sincère, tu vois, la cause palestinienne chez les musulmans, c'était une daronne voilée, j'imagine qu'elle était musulmane, tu vois. La cause palestinienne chez les Arabes, c'est quelque chose qui est très important dans nos cœurs, tu le sais. Tu me vois une vidéo d'une daronne comme ça qui pleure? Tu te mets à galerie, franchement, c'est ça c'est pas. Ça c'est pas. Moi, j'ai pas apprécié. Après, j'appelais pas pour elle, tu vois, on peut parler en général. C'est comme tu veux, mon gars. Non mais les gars, bien évidemment, on en était sûr qu'il y en a un qui allait être reprendre dans une trend TikTok. Ah.